Au mois d'octobre, 23 équipages, soit 70 personnes, ont participé au raid Latécoère en Afrique. Une aventure humaine, culturelle et solidaire, de Toulouse à Dakar, en passant par les escales mythiques de l'aéropostale. Ça, c'est des photos que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Elles sont uniques. Celle-là, elle est connue. Il y a des photos connues, celle au-dessus aussi. Mais la réalisation de ce raid, c'est déjà de faire perdurer la mémoire de nos ancêtres, c'est-à-dire des Mermoz, Saint-Ex, Dora, Guillaume, Latécoère, bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu en moyenne un mort tous les 100 km sur cette ligne pour porter du courrier. Aujourd'hui, on se doit de continuer à partager avec ses habitants cette volonté que Latécoère a mis en place, c'est-à-dire le partage et la communication entre les hommes. 75. Et vous franchissez le... Né en 1883, Pierre-Georges Latécoère est un industriel des débuts de l'aviation commerciale française et en particulier de la poste aérienne. En 1918, il envisage la création d'une liaison aérienne postale reliant la France au Sénégal, en passant par l'Espagne et le Maroc. Il ouvre d'abord la ligne entre Toulouse et Barcelone, et l'année suivante, il fonde les lignes aériennes Latécoère, puis exploite le tronçon Toulouse-Casablanca, puis Casablanca-Dakar. Le raid Latécoère conduira les équipages au-dessus des Pyrénées et de l'Espagne pour atteindre le détroit de Gibraltar. Ils découvriront ensuite le Maroc, les immensités désertiques de la Mauritanie et enfin le Sénégal et ses villes côtières. Plus de 40 heures de vol et près de 5000 nautiques les attendent. C'est à Toulouse, berceau de l'aéronautique, que démarre le raid. Les 23 équipages se retrouvent sur l'aéroport de Toulouse-Francazal pour le briefing. Consignes de sécurité, étapes, programmes, navigation, tout est passé en revue. La répartition des avions n'est pas faite n'importe comment. On a essayé de placer des gens avec leur expérience en Afrique ou avec l'expérience aéronautique, des pilotes de ligne et puis des instructeurs. Pour cette édition et pour la première fois, 4 ULM font partie de la caravane. La présence d'un Antonov 2 est également une première. L'appareil russe, considéré comme le plus gros biplan monomoteur au monde, accompagnera le raid jusqu'au Maroc. Et là, je suis en train de préparer l'avion pour mon ami Claude. C'est lui qui pilote aujourd'hui. Pour aller à Rabat et on espère que la météo sera de la partie. Le raid Latécoère offre chaque jour son lot de nouvelles aventures. Après une météo capricieuse, c'est finalement le roi du Maroc qui contraint les équipages à se poser à Tétouan au lieu de Rabat. Québec novembre, ouais. Bravo Mike, ouais. Papa India, oui. Juliette Delta. Oui. Dès le lendemain, direction Essaouira. Les avions éclaireurs décollent et montent à 7500 pieds pour franchir la montagne et ouvrir la voie. Après 3 ou 4 heures de vol, selon les performances des appareils, atterrissage sur l'aéroport de la ville aux fameux remparts. Prochaine étape, Tarfaya Kapjubi et sa piste de sable accessible seulement 2 fois par an. Pour moi, c'est extraordinaire de vraiment pouvoir poser mes roues sur Kapjubi Tarfaya. Tarfaya, c'est, je pense, le plus beau terrain qu'on ait fait sur le raid. On a découvert les hangars de l'aéropostale, on a vraiment posé nos roues sur la vraie piste de l'aéropostale.
On a vu des historiens qui nous ont raconté pas mal d'histoires sur cette piste. Cap Juby est une escale rendue mythique par Antoine de Saint-Exupéry. Nommé chef d'aéroplace de 1927 à 1929, il y négocie entre autres la libération des pilotes pris en otage. Et c'est au cours de ces années de quasi-solitude qu'il rédige Courrier Sud, son premier roman. Dès le premier atterrissage, des dizaines d'enfants et de jeunes apparaissent, ravis de découvrir les avions et de rencontrer les pilotes. Une distribution de matériel scolaire est organisée par les équipages. Puis des vols de découverte à bord de l'Antonov sont offerts aux lycéens et aux étudiants de la région par l'aéroclub Latécoère. Antonov, c'est de la Deuxième Guerre mondiale, donc il est très ancien, donc c'est l'histoire de l'aviation. Et c'est vraiment très beau de faire un vol avec cet avion qui est très ancien. Ou sinon devant on peut sortir, si toutes les portes sont fermées, on peut sortir aussi par le poste de pilotage, d'accord ? D'accord. Pour attacher, ça va, c'est bon ? Vous avez pu vous attacher, serrer la ceinture, c'est ok ? Parfait, très bien. Des fois, dans cet avion, il y a du bruit, il y a des odeurs des fois ça fait paf ! C'est normal, d'accord ? D'accord. Faut pas vous inquiéter, c'est normal, d'accord ? Parfait. Oui. Zien. Oui. Vous souhaitez un très bon vol. Aujourd'hui, cap sur la Mauritanie. Avant d'atteindre l'aéroport de Nouadhibou, anciennement Port-Étienne, deux escales sont prévues pour les ravitaillements et les formalités administratives. Donc le raid est ouvert à tout le monde, comme je le disais. Pilote, non-pilote, mari de pilote, femme de pilote, vraiment tout le monde. Cette année, on a eu des gens qui étaient dans des ULM avec monsieur était pilote, pas madame, elle était passagère, mais elle faisait quand même la navigation ou elle faisait la radio. Le soir, elle était là au briefing. Tout le monde se met un petit peu dans le moule. Tout le monde est là au briefing le soir et tout le monde écoute et se familiarise un petit peu avec l'aéronautique, même si c'est pas leur première chose de la vie. Les équipages se retrouvent au petit matin sur le tarmac de l'aéroport de Nouadhibou. Les appareils décolleront à la queue leu-leu. Pas de temps à perdre, car à 7h30, cause travaux, la piste ferme. Alors je crois qu'on est arrivé à Nouakchott, si je ne me suis pas perdu, mais vu le nombre d'avions, ça doit être ça. Eh bien, l'organisation était extraordinaire. On a réussi à faire décoller 23 avions en 17 minutes ou un truc comme ça. C'était du papier à musique, c'était beau. Après 8 jours de voyage et près de 25 heures de vol, le raid Latécoère atterrit à Dakar. L'occasion pour les équipages de découvrir l'immensité de la ville et de flâner sur l'île de Gorée. Aujourd'hui, les avions changent de cap. Le raid prend le chemin du retour. Certaines escales seront différentes. Direction Saint-Louis, autre halte mythique des lignes aériennes Latécoère. Les deux journées sur place seront consacrées aux activités solidaires. Alors,
la petite elle a eu un peu peur, mais après ça s'est bien passé parce qu'elle a compris que c'était pas dangereux, donc ça s'est bien passé. Et là on a le champion qui a pas du tout eu peur. Alors lui, je crois que c'est peut-être un futur pilote. On est vraiment fiers de tous les deux. Mais quand même, c'est le petit pas, comme un oiseau. Après, ça a été bien. Je me suis dit que c'était formidable de donner cette chance-là aux enfants. Pour la plupart d'entre eux, ils sont jamais, ils ont peut-être même jamais vu d'avion et surtout, ils ne sont jamais montés dedans. Et puis, je ne sais pas, quand ils remonteront, voilà, donc je trouve que c'était une très très bonne idée. En plus, ça a établi un contact entre eux et les personnes, les pilotes. Et je suis agréablement surprise de la relation que les adultes établissent avec les enfants, là. Le hangar c'était là. Voilà. Là c'était la descente de l'hydroavion. C'est ça. Et un peu plus loin, tu as le macadam où on réparait l'hydroavion parce qu'il y avait un gris qui le tirait jusque là-bas. C'était important pour les gens de l'époque d'avoir le courrier. Mais je te dis, dès qu'un courrier s'arrête, c'était comme un cœur qui s'arrêtait. Donc c'était important. À l'époque, il y en avait pas mal de blancs qui étaient ici et qui voulaient recevoir les courriers. Et M. Mermoz a osé, tu as vu, traverser même jusqu'à périr en mer. À Saint-Louis du Sénégal, le groupe découvre le mythique Hôtel de la Poste, lieu de passage obligé des pilotes des lignes aériennes Latéco Air et Aéropostal. Ici, les aviateurs profitaient de l'ambiance festive de la ville, après les longues étapes sahariennes et avant d'entamer le périple de la traversée de l'Atlantique. Cap sur Darla, anciennement appelée Villa Cisneros. Une des étapes phares de la ligne, où les pilotes, comme Jean Mermoz, faisaient régulièrement escale. Ce que ça peut amener à des pilotes privés ou professionnels, c'est, en expérience, c'est énorme. Un pilote privé qui sort d'un aéroclub en France, fait des tours de piste, fait des navigations classiques. Faire un raid, je pense que ça ouvre beaucoup de frontières, c'est le cas de le dire. Au niveau expérience météo, expérience aéronautique, expérience humaine, c'est très fort. Donc la route exacte, donc c'est départ d'ici en 28, on met le cap sur la balise qui s'appelle Alpha Zulu Romeo. C'est sous une météo toujours aussi clémente que la caravane décolle en fin de matinée de la piste d'Agadir, en direction de Rabat. Rabat, une escale d'importance pour le raid. Il s'agit en effet du premier point d'ancrage Latéco Air au Maroc. Le premier vol d'essai depuis Toulouse s'est déroulé le 19 mars 1919. On sent cette présence, et même les habitants continuent à penser Aéropostal et ligne aérienne de Latéco Air. Toutes ces différentes nations qui ont eu la chance de voir passer l'Aéropostal et de côtoyer ces pilotes ont jusqu'à aujourd'hui entretenu ce message de l'histoire de l'Aéropostal. Toutes les personnes sont vraiment impliquées
et veulent rester impliqués dans l'histoire de cette ligne. Les paysages se diversifient, le climat commence à changer, l'Europe se rapproche. Aujourd'hui, direction l'Espagne, et plus précisément Castellón. Plusieurs pilotes se promettent de poursuivre l'aventure Latécoère. Certains reviendront en Afrique. Pour d'autres, ce sera l'Amérique du Sud. À 60 nautiques, GTA. Et on quitte à 60 nautiques avant GDA. Dernière étape du raid, direction Lézignan, siège de l'aéroclub Latécoère. Puis chacun regagnera son camp de base. 5000 nautiques ont été parcourus et en moyenne 45 heures de vol effectuées par chaque équipage. Le raid aura traversé l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie pour arriver au Sénégal. Des survols splendides et à chaque escale, un formidable accueil. L'aérien pour relier les hommes, telle était l'ambition de Pierre-Georges Latécoère. Presque 100 ans après, l'esprit de partage et de découverte perdure. Ces gens-là, c'était hors pair. Quoi. Il avait un courage, une audace. Il fallait le faire et ils l'ont fait. Et vraiment, bravo à eux, bravo à tous ces gens-là qui nous ont laissé ces traces-là. C'est une histoire française, c'est notre patrimoine culturel et c'est absolument fabuleux. Bravo pour votre travail, et tant que bravo, c'était 15 nautiques et on estime Noachak à 8 heures.